Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, que j'ai reçu des éditions Grancher pour pouvoir le partager avec vous. Je remercie Florence qui me l'a envoyé. Il s'agit de l'oracle de la nature sacrée de Sandy Champion que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'avais déjà présenté dans le petit vlog où je vous avais montré ce que j'avais reçu. Et je vous redis encore une fois que j'adore la boîte. Toutes les fougères ou les plantes ici sont en relief, c'est super chouette en fait au toucher. Voilà, donc il arrive dans une belle boîte comme ça. Apparemment c'est un jeu qui existait en version auto-publiée. Moi personnellement je ne l'avais pas vu passer et c'est une très très belle découverte. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Cet oracle est un remarquable outil de développement personnel, accessible à tous et à toutes. Ces cartes épurées et ces textes d'interprétation éclairants nous invitent à la réflexion et à l'introspection. Nous dévoilent nos schémas inconscients et nous aident à lever les blocages et à prendre les bonnes décisions. Et si nous apprenions à travers chaque tirage à lire dans notre nature sacrée? Évolutif, adaptatif et résiliente, la nature nous guide vers notre croissance personnelle. Donc on a 60 cartes pleines de douceur qui évoquent la nature, un livre avec l'interprétation de chaque carte et des méthodes de tirage, et il est au prix de 24 euros. Voilà. Et c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, je vous l'avais montré dans le vlog. Perso, moi j'aime beaucoup les boîtes qui s'ouvrent comme ça aussi. Donc ici, dans le couvercle, il est noté « Évolutif, adaptative et résiliente, la nature nous guide vers notre croissance personnelle ». Donc ça, c'est ce qui était écrit au dos. Et les cartes sont comme ceci dans un encart en carton, mais franchement de bonne qualité, hein, c'est solide, vraiment. Et dedans, on a ici une fougère, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour la boîte. On va regarder les cartes après, on va d'abord regarder le livret, voilà, qui est comme ceci. Je voulais juste vous dire le nombre de pages. 78 pages, voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc ici on a l'Instagram et le Facebook, c'est écrit en plus, de la créatrice du jeu. On a un sommaire avec le contenu du jeu, comment l'utiliser, comment le purifier, des méthodes de tirage. Et alors ici on a les cartes par numéro. Et on a quatre cartes guides également. Voilà, donc ce jeu aide à faire éclore les graines que nous semons tout au long de notre histoire. Je trouve ça magnifiquement écrit. Je trouve ça très joli. Voilà. Bon, ici, on a un petit mot de la créatrice. Alors, on a le contenu du jeu qui est composé de 56 cartes sources. Chaque carte source offre des pistes d'interprétation différentes. Et alors, on a 4 cartes guides. Les cartes guides peuvent être ajoutées au tirage. Elles représentent les aides extérieures et apportent une précision sur la manière d'aborder une situation. Alors ici, comment utiliser l'oracle? Bon, ici, il y a plusieurs pistes du coup. Comment purifier son jeu? Voilà, avec le soleil, la lune, la fumée. Le soleil, moi perso, j'aurais un peu peur. Parce que bon, j'ai des jeux que j'ai depuis des années. Bon, il faut peut-être des années, vous allez me dire que j'exagère peut-être, mais il y a des jeux que j'ai depuis des années qui sont dans ma véranda et que la couleur du coffret a perdu ses couleurs avec le soleil, justement. Moi, je suis plutôt pour la purification par la fumée, hein, avec de la sauge ou du palo santo, de passer chaque carte dans la fumée. Voilà. Des méthodes de tirage. Alors, on a le tirage à une carte. Une méthode simple pour obtenir une réponse rapide et directe à une question précise ou avoir une carte du jour. Ici, on a un petit exemple, par exemple. Hein, que puis-je faire pour me sentir mieux? C'est une belle question aussi, ça. On a un tirage en 4 cartes qui offre une réponse plus complète à une question donnée et qui permet d'appréhender une situation dans sa globalité. Il est préférable de commencer votre question par comment, que faire pour, pourquoi, qu'est-ce que, de manière à interroger ouvertement le jeu. Voilà, et alors on a un exemple, comment m'épanouir professionnellement. Je trouve ça toujours très chouette d'avoir un exemple illustré. Voilà. Alors, on a ensuite un mot sur les 56 cartes sources. Il y en a ici la première, avec son nom, son numéro. Ah, la polarité aussi, si c'est positif, neutre, voilà, ou négatif. Hein. L'interprétation, la symbolique aussi. Voilà.
trouve ça très très chouette, vraiment. Et on va aller jeter un petit coup d'œil du coup aux cartes guides ici qui sont nombre de cartes. Ah, et ici vous voyez le messager par exemple, et ça vous dit tierce personne, médiateur, personne neutre, équilibre, et on a un petit message. Voilà, donc ça c'est pour le guidebook. Et les remerciements, je trouve ça très comique la mise en page avec les titres comme ça, des pages blanches, des pages noires, je trouve ça très chouette. Enfin, c'est raccord en fait avec la couverture. Et vous allez voir, moi, les illustrations, franchement, je les adore. C'est simple, mais c'est très joli. Je prends une carte de tarot pour vous montrer la taille des cartes. Elles me font penser à un format tarot. Oui, voilà. C'est exactement ça, en fait. Elles ont le format d'un tarot. Voilà. Donc, on va regarder ensemble le dos. Le dos qui est comme ceci, très beau. Hein. Moi, j'aime bien. C'est raccord avec la boîte hein, et du coup, c'est réversible sans problème. Bon, il ne propose pas spécialement d'endroits en vert, mais enfin bon. Les tranches sont neutres. Et voilà pour les illustrations. La qualité est très bonne aussi. Hein. On a ben, le numéro de la carte. C'est très comique la numérotation, vous voyez. Ils ont mis un 0 à chaque fois devant et le chiffre en dessous. Bon, du moins pour ceci. Après, 10, c'est dans ce sens-là, vous voyez. D'habitude, c'est écrit plutôt l'un à côté de l'autre. Ici, c'est allez horizontalement et là, c'est plutôt verticalement. C'est assez original. Voilà, vous voyez, on a le nom, on n'a pas de bordure. C'est sur un fond beige-gris. Voilà, c'est pas tout à fait blanc et on a l'illustration comme ça. On va dire, c'est même pas noir et blanc, c'est noir et c'est avec le fond qui ressort en fait. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Déjà, rien que celle-ci, l'amour, je la trouve magnifique. L'influence. Les illustrations, c'est vrai, sont simples, mais j'aime beaucoup. Le refuge, la naissance, ouais, ça, la naissance de la fougère. Ici, je dirais, c'est celle qui est, je vous ai montré, dans le fond de la boîte. Le cycle. En plus, il y a 60 cartes. Celle-ci, j'adore. L'élaboration, je la trouve très, très belle. Le soutien, celle-là aussi, j'aime beaucoup. Un côté witchy quand même. L'exploration. La clairvoyance avec la lanterne, j'aime beaucoup aussi. L'écoute. Qui n'a jamais mis un coquillage à son oreille pour écouter le bruit de la mer? Tout le monde, je crois. La destinée. L'instinct. L'élévation. L'amitié, c'est joli. Les racines se rejoignent, je vais y arriver. La famille, la santé avec des poumons. Ah, il est vraiment chouette, moi j'aime beaucoup, c'est une belle découverte. L'abondance, la connaissance, je l'avais franchement, moi je l'avais jamais vu avant. L'union, il me semble avoir vu Chloé de la chaîne Licorne Indigo qui avait parlé, justement, c'est chez elle, je crois que j'ai vu qu'il y avait une version auto-publiée, et elle avait marqué, elle était curieuse de voir la version, bah, du coup, mass market, l'union, le lâcher prise, la sérénité, l'équilibre, la convivialité, le soleil, la résilience, la sexualité, le corps, l'esprit, celle-ci aussi j'aime beaucoup moi. Oh et celle-ci, le départ avec cette hirondelle, j'adore. La force, ici on reconnaît du lierre. C'est vrai que le lierre, c'est intuable, increvable, ça pousse partout. C'est une plante que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai beaucoup dans mon jardin. Le temps. On dirait hein, le temps qui s'écoule, quoi qu'on fasse. Hein, on ne peut pas l'arrêter. La lune, celle-ci aussi, j'adorais. Avec ce papillon de nuit, les phases de la lune. La passion. Le débat. Avec un boomerang. L'isolement, ici on voit il est tout petit par rapport à ses grands. Et du coup, il n'a pas de lumière, du coup, il n'a pas de feuilles, le pauvre. Le retard.
de bouleversement. On voit dans les doigts, regardez, c'est spécial ça, des branches. Le hasard, celle-ci, je vous avais dit, c'est vrai que dans les huîtres, hein, on ne sait jamais dans laquelle il y aura une perle. C'est vraiment le hasard, la mort. Bon, là, on se doute qu'elle s'est noyée. Enfin, quitte où elle s'est noyée. L'illusion avec le reflet dans une flaque. L'ego. Le passé. La solitude avec cette barque toute seule. La dépendance. La querelle. La manipulation. La tristesse. La menace. Elle est jolie aussi, celle-ci. L'infortune. On voit qu'il a été recollé. Le jugement. La maladie. La trahison avec des ronces. La ruine. Tout ce qui reste d'un arbre, sa souche. L'inconstance. Je pense à la tempérance, celle-ci. La peur. La colère. Et alors, on a les quatre cartes guides avec le messager. L'enfant. Elle est très belle avec les lapins. L'ancêtre. Et pour finir, l'étranger. Voilà. Donc, ceux-ci, on ne va pas les mettre dans le paquet. Parce que vous avez vu, il n'y a pas vraiment de texte. J'aimerais autant vous tirer une de ceux-ci avec, pour vous lire ce qu'il y a dans le guidebook. Elle se mélange super bien. Ah ouais, elle glisse super bien. J'aime beaucoup. Hop, hop, hop. On va le mélanger un petit peu. Et il va nous dire, il va nous donner un petit message pour la journée. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il s'étale bien? Ouais, très bien. Vous voyez même le reflet de ma lampe. La naissance, ben voilà, j'avais dit qu'elle était jolie dans le couvercle. J'avais tiqué sur la carte, et ben c'est la carte qui ressort. J'ai remarqué que c'est souvent comme ça. La naissance, donc la carte. Donc on se doute qu'il y a quelque chose qui va éclore, un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Donc c'est une carte positive. Pour les mots-clés, on a origine, commencement, éveil, peuplement, renouveau et possibilité. Pour l'interprétation, la carte la naissance indique qu'il faut faire table rase du passé. Ben voilà, on parle encore de lâcher prise, hein. Quitte à perdre ses repères pour se lancer dans une nouvelle aventure. Tel un second souffle dans notre histoire, notre potentiel, qu'il soit conscient ou inconscient, est à portée de main. Tout reste à créer sur de nouvelles bases. Cette carte incite à l'action. Qu'il s'agisse d'une décision à prendre, d'une envie, d'un voyage ou d'une idée, il est important de s'écouter. La naissance renvoie au recommencement, mais également à l'aboutissement d'une situation. Il s'agit de voir le bon dans chaque nouvel apprentissage de nos vies. Elle nous invite à nous servir de notre fertilité, cette magnifique énergie créatrice, pour mettre en œuvre nos projets trop longtemps mis de côté. Ne faisons pas de surplace, cette carte invite à s'investir dans de nouvelles relations. C'est le début d'un nouveau cycle de vie ou d'un changement. Et la symbolique, chérissons le moment où la petite graine germe. Donc, chérissons le moment où les nouvelles choses se mettent en place, par exemple. Et faisons table rase du passé pour recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. Si on s'accroche malheureusement au passé, peut-être à des mauvaises choses, des choses pour lesquelles on est nostalgique, on ne sait pas aller de l'avant et en créer de nouvelles. Voilà. Je trouve ça très joli, moi. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Bon, évidemment, j'ai flashé sur les illustrations. Hein. C'est typiquement le style d'illustration que j'aime bien, moi. Il a un petit côté, forcément nature, mais un petit côté witchy aussi, que j'aime beaucoup. Je trouve le livret très bien fait aussi. J'adore le relief de la boîte aussi. Enfin, voilà, vous aurez compris que je l'aime beaucoup. Voilà. J'essaierai de vous mettre un petit lien Amazon dans la barre de description. Parce que j'ai appris récemment qu'on pouvait, quand on présente des choses sur YouTube, être partenaire Amazon, ça s'appelle, et en générant un lien spécial,
Si vous passez par ce lien-là, bah, ça nous fait gagner quelques points. Et bah, quand on a accumulé plusieurs points, on a des bons d'achat sur Amazon, si j'ai bien tout compris. Il n'y a aucune obligation, hein, évidemment. Si vous n'avez pas envie de passer par ce lien-là, faites comme vous avez envie. Je ne suis pas sûre d'arriver à le mettre parce que je vous avoue que je n'ai pas tout compris comment on génère ces liens. Mais si j'y arrive, je vous le mettrai dans la barre de description. Et ceux qui passeront par là, ben, je vous remercie évidemment. Hein, c'est super gentil. Et ceux qui n'ont pas envie, ben, pareil, hein, je vous remercie aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mais bon, si ça peut aider, ma foi, la chaîne, pourquoi pas. Pour le reste, ben, je remercie évidemment les éditions Grancher qui me l'ont envoyé. Pour moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Franchement, belle découverte. Et je ne le connaissais pas du tout dans sa version autopubliée. Ben, j'irai voir du coup si Chloé a présenté la version autopubliée pour voir les différences. Voilà. Pour le reste, dites-moi dans les commentaires ben, ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau, si les cartes vous aimez ce style d'illustration ou si vous, vous n'aimez pas trop ces illustrations plus simples, la couleur, etc. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!